utilise ça comment et... Mr. Richon utilise ça comment? Bon. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons recevoir un mannequin professionnel. C'est un top modèle. Il s'appelle Freddy Manyango et ça fait plusieurs années quand même qu'il est dans le métier. Vous avez souvent entendu son nom, j'en suis sûre. Vous avez vu ses photos sur les réseaux sociaux, à la télé, vous avez vu ses émissions. Aujourd'hui, on va le redécouvrir ensemble. Il est mon invité et j'en suis fière. À tout de suite. Si le métier de mannequin pouvait prendre forme, bah oui, prendre forme, c'est-à-dire devenir quelqu'un, je pense qu'il deviendrait Freddy Manyango. Il a accepté notre invitation ce soir et je suis ravie de l'avoir dans ce studio. Bonsoir Freddy. Bonsoir Tina. Bienvenue. Merci. Ça fait plaisir de t'avoir dans cette émission, comme d'ailleurs tous nos invités. Hein. Plaisir partagé. Alors, mets-toi debout un peu, parce que je te charrie beaucoup sur ta taille, mais tu es très grand là. Oh ouais. Approximativement 2 mètres. Wow. 1,98 plus précisément. Est-ce que tu peux t'asseoir maintenant? Parce que... Alors, dis-moi, est-ce que c'est ça qui t'a poussé à faire mannequin, à devenir mannequin? Non, pas du tout. Déjà au secondaire, j'étais très fan de mode, puisque le virus vient de maman et couturière. Oui. Et ma grand-mère était aussi. Wow. Donc voilà. Et c'était très ambigu déjà parce que je suis le dernier chez nous. Mm-hmm. J'ai que des grandes sœurs. Ouais. Donc c'est moi qui ai le virus ouais. de la mode. Et donc au secondaire déjà, est-ce que dans ta tête, tu t'étais dit je veux devenir styliste ou tu t'es dit je veux devenir mannequin ou... Non, à la base, je voulais être dentiste. Ok. Donc, à la base. Rien à voir. mais à partir de dès la classe de seconde, ouais, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la mode, au dessin. Maman m'a interpellé à chaque fois de venir lui donner un coup de main, autant pour moi, quand elle avait des commandes, de cabas, des trucs comme ça. Voilà. Mm. Et est-ce que tu te souviens de ta première scène, ton premier plateau, la première fois que tu défiles, ça se passe comment? La première fois que je défile, je dirais que c'était directement dans la cour des grands. Waouh! C'était très stressant parce que c'était lors du Annual Show Fashion Week. Mm-hmm. Donc, casting, il y avait plus de 1000 mannequins, les anciens mannequins, les anciennes gloires de la mode camerounaise. Donc, moi, je suis tout jeune, je viens à peine d'avoir mon bac, puisque j'avais l'aval de ma maman. Oui. Donc, après le baccalauréat, là, je peux commencer la mode. Mm. Avant, c'était pas possible. Donc, je faisais juste des trucs au secondaire. Informel. Ouais, président de club Miss Master et tout. Voilà. Donc, voilà, je vais faire le casting, il y avait plus de 1000 mannequins, c'était super impressionnant. Donc voilà, je me suis dit, bon, chaque tout au quartier, les gens me demandent, est-ce que tu es mannequin? Tu devrais être mannequin et tout. Oui, tu es très grand. Ben, je n'étais pas encore si grand. Ah, d'accord. Ouais. Hein. Je pense que j'avoisinais le 85, 90 par là. Mmh. Tu avais quel âge, à peu près? 18 ans. Mmh. 17? 17 ans, 17, 18 ans. Par d'accord, là. D'accord. Ouais. Et tu continues à te grandir. Okay. Donc, mais le volleyball, le handball m'a beaucoup aidé. Ah, d'accord. Parce que j'étais très sportif. Mm. Oui, de la classe de 5e, j'ai pratiquement tout fait, de la gymnastique, le volleyball, à part le football, le basket. J'ai tout fait. D'accord. Donc, voilà, j'étais très sportif. Et... Donc, tu te retrouves à Annual Show au milieu des mannequins professionnels, des anciens. Professionnels, des anciens, ceux qu'on admirait à la télé, quoi. Mm. Et puis voilà, on m'a donné mon papillon, mon numéro, c'était à mon tour. Je suis sorti et paf, j'étais dans ma bulle, j'ai fait ce que j'avais à faire et puis voilà. Bon, quand je sors de la scène, quand je reviens, des gens viennent m'embrasser. Il y a une camarade qui était là, qui m'a dit « mais qu'est-ce que tu viens de faire ? C'était incroyable !» J'ai dit « mais qu'est-ce que j'ai fait ?» J'ai défilé normalement comme c'était dans ma tête. Et à ma grande surprise, je l'ai pris.
Est-ce que avant ça, tu avais déjà, tu faisais quoi pour t'entraîner? C'est-à-dire que parce que j'ose croire quand même qu'on ne défile pas comme on marche tous les jours. Ah, ça, c'est clair. Donc, c'est très. À ce moment-là, est-ce que tu maîtrisais déjà les pas? Est-ce que tu. Je dirais que je maîtrisais pas totalement, mais j'avais des notions parce que je regardais beaucoup la télé, je m'exerçais et le fait de coacher aussi au lycée, les compétitions Miss Master et on tout, va en parler. Donc du coup, je savais comment me tenir, comment il fallait se tenir, même si j'avais pas ma démarche a évolué avec le temps, mais au moins j'avais des prérequis. Voilà. Il se dit que lorsque tu vas sur un plateau, tu te transformes complètement. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui m'a dit ça, je te dirai pas son nom, hein, je vais taire son nom, qui m'a dit que Freddy Manyongo, quand il est sur un plateau, quand il est sur une scène, il se transforme complètement, c'est plus pareil, c'est plus le même. Et j'ai pu le vérifier, j'ai regardé un de tes défilés, et c'était vraiment genre, franchement, tu es une autre personne. Comment ça se fait? C'est quelque chose qui se travaille ou... Oui, après, il faut vraiment qu'on ait un alter ego. Quand on va sur la scène, que ce soit moi, un mannequin, que ce soit pour un artiste, un chanteur ou un acteur, on entre dans un personnage. On entre dans un personnage et il faut transmettre une certaine émotion aux gens. Donc voilà, et c'est fonction de la collection du créateur. Oui. Donc ça peut être quelque chose de soft, ça peut être quelque chose de super décalé, de quelque chose d'assez classique. Donc il faut représenter, parce qu'à la base, je suis qu'un saint vivant. Je suis un saint vivant, donc du coup, je dois mettre des vêtements, voilà. Oui, mais ces vêtements-là, justement, les vêtements-là, c'est souvent des vêtements bizarres. Est-ce qu'on les porte? Non. Ça dépend. Et ils coûtent des prix complètement. Très exorbitants et tout, voilà. Est-ce qu'on les porte vraiment? Est-ce que moi, je peux acheter un vêtement comme ça pour le porter? Mais là, ça dépend de la circonstance. D'accord. La circonstance, autant pour moi. Mais ça peut être une soirée, ça peut être pour un vidéogramme, ça peut être pour je ne sais pas quoi. Les énergies, Zucker Wars, les canals d'or, ça dépend. Ça dépend. Alors, moi, je vais t'emmener quelque part. C'est un endroit où j'aime bien aller. C'est retrouver notre gossip girl. Elle aime parler des gens, de ce qu'ils font et qu'on ne voit pas forcément. Elle est toujours à l'affût de la moindre information, du moindre commentaire. Je sais pas de qui elle va parler tout de suite. Je préfère vous laisser découvrir. Je vais découvrir en même temps que vous. Bonsoir à tous. J'ai besoin de votre attention. Oh, le Congo, ça est grave ce soir. Il s'agit de Nernos, je ne suis pas moi Bobo. Le gars là n'est vraiment pas Bobo. En tout cas, nous sommes tous au courant de cette histoire qui fait grand bruit sur les réseaux sociaux. Nernos le Kamsi qui aurait pris 75 000 francs comme avance pour un spectacle du côté de Consamba et le gars n'est pas venu, il aurait poum. Selon l'organisation, Nernos le Kamsi devrait récupérer le reste, 75 000 francs, mais il n'est pas venu et il n'a pas remboursé. C'est la version de l'organisation, c'est pas moi qui dis, j'ai rien à voir. Et comme on se connaît en bon Camerounais, alors la malbouche, il chante même d'abord quoi? Aka, et en plus il est malhonnête. C'est sûrement la raison pour laquelle les cachets du gars ne coûtent même pas cher. Moi, en bon Congolais, naturellement, j'ai voulu avoir les deux versions. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le bombe. Dis-moi aussi, pareil qu'on t'insulte sur les réseaux sociaux, il y a quoi? Nenos reconnaît avoir pris sa chose, 75 000 francs, comme avance. Ce sont quand même ces petits du quartier qui organisaient le spectacle. Nessa en partant pour Consamba venant de l'ouest, la veille du spectacle, la voiture du camp s'y tombe en panne. Il est 23h, il appelle l'organisation pour prévenir et leur dit qu'il ne pourra certainement pas prester, mais qu'il va rembourser leur argent. Les petits disent rembourser, d'accord, mais avec dommages et intérêts. 360 000 francs, impair, 360 colos. Les gars se sont assis sur déranger. En tout cas, ça me donne une idée. Moi aussi, à partir de ce soir, je deviens organisatrice de spectacle. J'invite quelqu'un quelque part dans un village là-bas, on dit quoi? Fondjomonkwet. Je lui donne même 5 000 comme avance. Je me rassure qu'il ne va pas retrouver la route. Et après, je demande même 800 000, non les gars. On se retrouve la semaine prochaine pour un Congo ça bien costaud.
bombe, je suis pas ma baboye. Chaque samedi, je suis propre. Tous les jours, le bobo est propre. De retour sur ce plateau, je rappelle que je suis avec Freddy Manyongo, top modèle, mannequin. C'est quoi la différence entre les deux? Parce que j'annonçais déjà les choses compliquées. Oui, c'est vrai que c'est très ambigu. À la base, on est mannequin. Mm. Mannequin, c'est-à-dire quelqu'un qui porte des vêtements, qui est présente, qui pose, qui s'expose en fait. Mm. Je pose et je m'expose à la fois en fait. Et le top modèle, c'est pareil, non? Le top modèle, c'est le mannequin un cran au-dessus des autres. D'accord. Un cran au-dessus des autres parce qu'il est très demandé, il travaille beaucoup, il entre dans tous les moules en fait. Il peut être pour la photo, pour les podiums, pour les catalogues, pour les vidéogrammes. Donc il entre partout en fait. À quel moment est-ce qu'on peut dire que tu es professionnel? Professionnel, c'est déjà, je pourrais dire. Bon, quand je dis dessus, c'est pas toi, c'est. Oui, généralement, le mannequin, on peut dire qu'il est professionnel quand déjà il exerce de manière régulière. Régulière, oui. Ouais. Il est très récurrent sur les podiums. Il travaille avec les créateurs, que ce soit locaux ou internationaux. Internationaux. Donc voilà, il est demandé, il est booké, il vit ça en quelque sorte. Voilà, c'est son métier. D'accord. Et toi, c'est ton métier? Tu en fais un métier ou c'est juste pour depuis, le moment, en attendant que... Oui, depuis presque un an, je dirais je suis mannequin professionnel. D'accord. Parce que je ne vis que de ça. Mm. J'ai mis mon année de master entre guillemets. Donc voilà. J'allais justement te dire, est-ce qu'on parvient à vivre de son métier? Je veux dire, est-ce que ça donne suffisamment d'argent pour pouvoir s'assumer? Ou alors, c'est juste des prix qu'on gagne, des voyages qu'on fait? Je dirais qu'on pourrait en vivre. Qu'on pourrait en vivre, comme tout bon métier, on pourrait en vivre. Mais ici, en Afrique, et particulièrement au Cameroun, c'est pas bien structuré, en fait. Donc, c'est encore à la... comment dirais-je, c'est encore en embryon, ça n'a pas encore, ça s'est pas encore développé comme il faudrait. Justement. Et puis il y a souvent des a priori, il y a souvent des préjugés par rapport aux mannequins, surtout quand ils sont des hommes. Mais toi, j'ai pu constater que toi tu es quand même assez, tu as une façon de croiser tes pieds, de faire des manières. Est-ce que ces manières là ne te provoquent pas des problèmes avec les autres? Est-ce qu'on se dit pas, ah, le gars là, il fait comme une fille, machin? Et en fait, je fais de... Parce que sur les plateaux, tu fais pas ça. La façon de marcher sur un plateau, c'est vraiment comme un homme viril de chez viril. Mais quand tu es dans la vie de tous les jours, tu fais... Est-ce que ça te... Je suis quelqu'un de maniéré, naturellement. Voilà, les bien sûr, j'ai des grandes soeurs, et puis je suis le dernier garçon. Le dernier enfant ou le dernier garçon? Le dernier enfant. D'accord. Le garçon. J'ai que des grandes sœurs. C'est vrai qu'il y en a des frères, mais bon, il n'y a pas grandi avec nous, j'ai que des grandes sœurs. D'accord. Donc voilà. Donc je suis maniérée, ça c'est. Non, mais je fais ça. Comment dire, on dit souvent quoi. Tu fais de tes défauts, tes qualités, donc voilà. Tu fais de ça une force. Une force en fait. Mm. C'est ça ma force. D'accord. Mais maintenant, le truc c'est que quand je suis là, je suis foufou, je rigole, voilà. Mais quand je suis sur la scène, je suis pas comme. Habité par une autre personne. Un autre esprit. Voilà. Il y a Beyoncé qui dit souvent ça. Voilà. Elle commence à me poser des questions sur vous, les artistes. Oui, elle est souvent prise par Sacha Fierce, son alter ego. Et moi, j'aime mon alter ego aussi, qui s'appelle Sacha Cameron. Tu es fan de Beyoncé? Un tout petit peu. Quel est le plus difficile à faire dans ton travail? Qu'est-ce que, pour toi, qu'est-ce qui est plus compliqué, plus difficile? Déjà, c'est de ne pas pouvoir faire tout ce que j'aimerais faire, en fait. C'est vrai, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir parcourir l'Afrique, de pouvoir faire certains pays, certains fashion week, à renom. Mais souvent, on est pris par les visas. C'est pas souvent évident. Oui. Les billets d'avion qui sont super chers. Oui. Donc voilà, j'ai raté beaucoup de défilés. Mais quand on t'invite, on te paye pas les... Souvent, tu supportes moitié. Partie, voilà. J'ai raté comme ça les Fashion Week au Kenya, en Uganda, en Afrique du Sud aussi. Oui. Et donc voilà, maintenant je suis plus porté en Afrique, de l'Ouest. Est-ce que vous n'avez pas des personnes qui s'occupent de vos carrières, comme les artistes ont par exemple des producteurs, un agent par exemple? Si, j'en ai. Qui peut dépenser pour toi? Oui, mais
En fait, tu dois comprendre que la mode en Afrique, c'est pas vraiment ça. Ah, d'accord. Oui, on vit de ça. Les pays qui essayent, c'est vraiment l'Afrique du Sud, les Nigériens un peu. Mais le reste des pays, surtout francophones, c'est la même maladie. Hein. Est-ce que tu as l'intention d'aller t'installer Il y a Valérie Aïna qui est aussi Dubaï. Un modèle qui est allé s'installer à Dubaï carrément. Est-ce que tu as l'intention d'aller ailleurs? Oui, si la carrière, si j'ai des opportunités. Mmh. Si j'ai des opportunités, oui, pourquoi pas. Mais après, c'est difficile. C'est très difficile parce que la mode et le mannequinat qu'on aimerait faire à grande échelle, tel que je vois David Gandhi qui est géré de Dolce & Gabbana, ils sont nombreux. C'est le rêve absolu pour tout mannequin. Oui. Mais déjà, je ne cracherai pas sur ce que j'ai déjà accompli jusqu'ici. Mmh. Parce qu'il y a des mannequins qui rêveraient accomplir ce que moi j'ai déjà fait, donc c'est une chance. Bon, je prie le bon Dieu pour continuer à aller au plat. On va prier avec toi. Alors, on va aller retrouver un autre mannequin. Bah, lui, ici, son travail, c'est parler de mode et de fashion. Mode et fashion. Il s'appelle Brice Thomas Zipa. J'y suis parvenu. On se retrouve juste après lui. Hein. On va pas laisser partir Freddy comme ça. Et puis, on va revenir avec lui. On va essayer de parler de ses projets à long terme, à court terme. Bien. Salut à tous, c'est la petite saison des pluies et on est très souvent confronté à un petit problème dans nos maisons, des odeurs causées par l'humidité. Et bien, comment y remédier? C'est tout de suite, suivez-moi. Tout d'abord, il faut nettoyer la maison, balayer, dépoussiérer. Ensuite, on s'attaque directement aux odeurs. Déjà, il faut aérer la maison tous les jours, de peur que les odeurs n'y restent confinées. Alors, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Pour ceux qui ont ou qui n'ont pas de la chandelle parfumée ou encore des diffusants odorants, c'est très simple. Vous utilisez du Javel que vous mettez dans de l'eau ou encore vous prenez du vinaigre blanc, bien sûr, que vous mélangez à du citron, ensuite vous nettoyez. On a du sucre également que vous pouvez prendre, le mettre dans de l'eau, dans un récipient en aluminium surtout, le mettre dans un four, tout de suite vous sentirez une odeur de caramel s'envoler dans la maison. Également, vous pouvez, pour ceux qui ont un aspirateur bien sûr, utiliser de la lessive en poudre, vous la déposez quelque part et tout simplement vous aspirez. Vous sentirez directement que votre maison sera de nouveau accueillante et prête à accueillir vos invités. Des astuces comme ça, on en a tellement qu'on n'en finirait pas aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle je vous dis au revoir et on se voit samedi prochain. Surtout, n'hésitez pas à nous écrire sur notre page Facebook. Ici, c'est chez vous. On vous répondra, c'est sûr, parce que ici, bah, c'est chez vous. She got a man, but she don't want a lover. She want a bad, bad man that would jump right in and give it to her rapper. He got a plan to buy a Range Rover. He got a bad, bad girl that would jump right in and make it start over. Alors, suite et fin de l'entretien, c'est vrai que ça me fait quand même mal au cœur hein, d'être obligée de me séparer de Freddy. Sa compagnie est super agréable. Dans un studio, il fait super frais, il apporte beaucoup de chaleur. Oh, je suis une bonne poète. Donc, j'aimerais savoir, tu as quand même gagné un certain nombre de prix. Tu peux nous les citer un peu? Oui, plus précisément trois jusqu'ici. Oui. Jusqu'ici, mon tout premier c'était lors du Annual Show Fashion Week en 2014. J'ai été consacré top modèle, second top modèle de l'année. Donc voilà, l'année qui suivait,
En 2015, j'ai été élu meilleur mannequin masculin de l'année au Cameroun. Waouh! Pour les Car Fashion Awards. Et l'année qui suivait, 2016, j'ai représenté le Cameroun au FESMA, Festival de la mode du mannequin africain, du côté de Cotonou. Ça s'est bien passé? Oui, puisque j'étais le seul mannequin à représenter le Cameroun. Et puis voilà, j'ai pris le titre. Donc, je suis le mannequin en titre. Waouh! Le top modèle en titre, en fait. Cette année, on attend toujours alors. On croise les doigts. Ouais. De toutes les manières, il y aura de belles choses pour toi cette année, merci. J'en suis certaine. Alors, tu nous disais tout à l'heure que tu as souvent coaché les filles dans les collèges. Élection Miss Master. Ouais. On te connaît plus dans ça. Mais aujourd'hui, tu es le coach de Miss Seme Beach, je pense. Oui, j'ai travaillé en tant que directeur artistique pour beaucoup d'élections, même Miss Cameroun. Oui, j'étais directeur artistique d'élection Miss Cameroun l'année de Jessica. Après, tu as laissé tomber? Non, en fait, c'est peut-être mon calendrier. Peut-être que c'est ton départ qui fait les choses. Non, c'est mon calendrier qui ne m'a pas permis d'être là pour l'année 2016, donc voilà. Mais je suis directeur artistique d'élection Miss Beach, officiellement. J'ai travaillé avec eux depuis 2013. Mais officiellement, depuis 2016, je suis le directeur artistique de l'élection Miss Beach. Comment ça se passe avec les filles là-bas? C'est pas trop difficile pour des filles qui sont pas... Souvent c'est difficile, mais après, je dois être un peu plus souple. Parce que c'est vrai que souvent, j'ai mes chorégraphies dans la tête, mes scènes sont peaufinées, mes musiques sont souvent calées. Et après, je mets un peu la barre très haute. Parce que je me dis que je serai face à des professionnels qui vont vite comprendre le truc, mais je me retrouve souvent face aux jeunes filles qui n'ont pratiquement pas d'expérience. Ouais. Et c'est le premier podium d'avoir défilé devant les gens. Il y a le stress et tout. Et apprendre des chorégraphies sur 4-5 chorés, voire 6, pour celles qui arrivent jusqu'au dernier carré. C'est pas évident. C'est pas évident. Tu t'énerves souvent? Tu cries beaucoup, sur elle? Beaucoup, parce que je suis très rigoureux, je suis très perfectionniste. Donc du coup, je veux que tous les détails soient calés, mais à la fin, souvent, justement satisfait. L'année dernière, je peux le dire aujourd'hui, j'ai pleuré même. Oui, parce que lors du dernier carreau, le tableau de 5, quand j'ai vu comment les filles sont sorties, le public était... j'ai dit, mission accomplie. Ouais. Mission accomplie. Alors, quels sont tes projets, là, tout de suite? Déjà, je suis à peine de retour au Cameroun. Ouais. Je suis à peine de retour au Cameroun. Le week-end dernier, j'étais à Abidjan Fashion Week, du côté de la Côte d'Ivoire. Donc, ouais, je suis revenu, je dois repartir. Je risque d'aller en Guinée-Conakry. Donc, voilà, il y a le FESMA qui arrive. Je dois remettre mon écharpe, entre guillemets. Et puis, voilà, Miss Beach. Oui, il y a Miss Beach. En mai, et je remets toi Dieu. Des opportunités, des éventuelles campagnes pour ceux qui me regardent, qui ont besoin de mon visage. Lève-toi encore, lève-toi. Il faut qu'on te voit bien. Lève-toi. Parce que tu fais pas de pub, des trucs comme ça. Au Cameroun, on peut t'appeler pour ça. Au Cameroun, j'ai fait qu'un seul spot parce que je suis très sélectif et. Il y a de quoi. Voilà. Mais à l'international, j'ai beaucoup travaillé. Et donc, ma dernière campagne est dans toutes les rues de Cotonou. Voilà, pour le créateur Lolo Andesh. D'accord. Donc, merci beaucoup, Freddy. C'est un plaisir, Tina. Un peu. J'enlève les chaussures. Je veux voir ma vraie taille. Et il faut le rappeler, c'est justement impressionnant parce que, tu vois, généralement, la moyenne des mannequins, c'est 1,95. Oui. Tout au plus. Donc, moi, je suis à presque 2 mètres. Donc, tout le monde est souvent... Oui, mais ça fait très grand. C'est même une histoire de quoi. Ouais. Là, je fais n'importe quoi. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci, Freddy, d'être passé par ici. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine, forcément, comme à l'accoutumée, pour une nouvelle édition. D'ici à ce qu'on y arrive, je vous souhaite de vous porter très bien, passer une très belle semaine, faites de très belles choses avec les personnes qui vous sont chères. Je ne partirai pas sans vous rappeler qu'on est en diffusion tous les samedis à 20h30 sur Canal 2 International. Nous sommes en rediffusion sur la même chaîne le jeudi qui suit. Et bien, si vous manquez la diffusion et la rediffusion, bien vouloir vous diriger sur la page YouTube de JR Concept et taper ici c'est chez vous avec le nom de l'invité que vous voulez voir. Et bien, si c'est Freddy Manyongo, vous faites juste ici c'est chez vous Freddy et vous trouverez l'émission dans son intégralité. Merci à WeTrend Ankara pour le style vestimentaire. Merci également à Ozzy International pour le make-up. Au revoir à tous et à la semaine prochaine. Accéléré, Nernos, le carnassé. Arobis, Pex Music. Sorcellerie. Ne parle pas de moi, c'est comme si tu parlais de Samuel Eto'o. Le Gambino.
gars. Nathalie Piman voulait briser les dents sur sa vieux le dos. Sorcière. Le prochain sera Clinton J. Clinton J. Pour la Coco Emilia, lui va te piéger. Si le rap devient la fake à foot, moi je deviendrai le coach. Solide comme une pyramide, c'est clair que je m'accroche. D'abord ce sont mes proches, ensuite ce sont les poches. De son concept, le quartier me voit fier, lui tu m'as reconnu. Cameroun, c'est maintenant là qu'on va prendre le pouvoir. J'ai commencé doucement, doucement, mais je vais prendre le pouvoir. Sorcellerie, on va prendre le pouvoir. Me voici, le messie, le sorcier, le sorcier. Je suis pas ma baba, je suis pas ma baba, je suis pas ma baba. Je suis pas ma baba, non mom, je suis pas ma baba. Je suis pas ma baba, 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 non mom, je suis pas ma baba. Sorcellerie, Nernos, le